Bienvenue sur la chaîne YouTube Football Avant-Garde. Aujourd'hui, on se concentre sur 100% pressing positionnel. On va déjà commencer par parler des variantes sur 6 mètres. Donc, 1, nous allons fermer les centraux. 2, nous allons fermer la ligne de passe axiale. Et 3, nous allons forcer notre adversaire à jouer long. Donc, les variantes sur pressing positionnel sur 6 mètres. Donc, 1, quand on ferme les centraux, on regarde bien l'image. Là, on voit l'exemple de Barcelone-Real Sociedad. Donc là, on va aller presser sur leur central droitier. C'est exactement le même mouvement que sur le central gaucher. Ensuite, fermer l'axe. Donc pour fermer l'axe, on voit clairement qu'on va laisser les défenseurs centraux de notre adversaire libres. On va fermer toute la ligne de passe, toutes les possibilités dans l'axe, mais aussi en deuxième et troisième ligne. Ce qu'on va rechercher, c'est créer une supériorité numérique. Donc là, dans cet exemple, vous voyez clairement qu'on laisse les centraux et le gardien adverse. Donc, ils sont plus que 8 en jeu, dans la zone possible de jeu. Et nous, nous sommes 10. Donc, ça fait une supériorité numérique de 2. Donc, dans le troisième exemple, on voit qu'on fait du pressing positionnel en forçant l'adversaire à jouer long. Donc là, dans cet exemple, par exemple, on voit qu'on ferme les défenseurs centraux, les milieux qui décrochent et la possibilité d'un jeu long immédiat. Pourquoi? On recherche à ce que l'adversaire joue long. On verra plus tard qu'on peut même diriger le jeu long de notre adversaire d'une manière ou d'une autre. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, n'oubliez pas de regarder mes vidéos précédentes et je vous dis à très bientôt. Bonne soirée. Ciao.